Monsieur Saïd Ayachi, bonjour. Malheur. Alors la question sahraoui est une affaire de décolonisation et le combat d'un peuple pour son autodétermination. Le règlement de ce conflit, c'est d'abord une affaire africaine. C'est la déclaration hier du président sahraoui Ibrahim Ghali. L'Union africaine doit-elle agir? Doit-elle mettre en branle les dispositifs de son acte constitutif des sanctions contre un État membre qui agresse un autre État membre? Monsieur Saïd Ayachi. J'allais presque dire qu'il était temps de le faire, puisque... À juste titre, le président Sahraoui, dans sa déclaration, a rappelé que quand même, c'est un conflit africain qui regarde les Africains et dans le cadre de l'Union africaine. Dans le cadre de l'Union africaine, donc, il est nécessaire, sinon obligatoire, de chercher une solution entre Africains. Et c'est ainsi, donc, que l'Union africaine, maintenant, doit... non seulement se réapproprier le dossier qui a toujours été le sien, de toute façon, elle a accompagné l'ONU dans la recherche d'une solution équitable dans le conflit du Sahara occidental, mais aujourd'hui, d'ailleurs, à la demande expresse de l'Algérie, la dernière tournée de notre ministre des Affaires étrangères en Afrique du Sud, au Nigeria, en République démocratique du Congo, était dans ce sens, l'Algérie a interpellé l'Union africaine pour lui dire maintenant c'est un dossier africain, pas seulement l'ONU, mais aussi l'Union africaine se doit de se saisir de ce dossier pour aller vers une solution définitive de ce conflit qui marque trop de durée. Mais faut-il un engagement plus net, plus ferme de la part de l'UE à l'Union africaine aujourd'hui? C'est précisément le langage de l'Algérie en ce moment et celui aussi de l'Afrique du Sud, il faut le reconnaître, qui également derrière en pointe dans ce dossier. Tout simplement parce que jusqu'à maintenant, l'Union africaine a été donc associée à l'ONU et accompagnateur de l'ONU dans la recherche de la solution de ce conflit. Et nous avons assisté donc depuis maintenant quasiment 30 ans donc de l'attente des Sahraouis qui ont mis leur confiance en le système des Nations Unies pour la recherche de cette solution qui a tardé pour diverses raisons, et entre autres à cause des manœuvres dilatoires que développe le Maroc et ses soutiens dans le cadre des Nations Unies. On peut citer moult étapes de tergiversation et de manœuvres. Et donc les Sahraouis, j'allais dire, on lui a assez d'attendre, et par conséquent, maintenant ils se tournent vers l'institution idoine, qui est l'Union africaine, pour l'interpeller, la race étant membre de l'Union africaine, pour l'interpeller pour qu'elle puisse apporter sa contribution concrète dans la résolution de ce conflit que l'on pose au royaume du Maroc. Alors, mais au niveau des sociétés civiles, dans la vôtre, monsieur Saïd Ayachi, la mobilisation est-elle plus importante, puisqu'on sait que le 27 février, c'est la commémoration du 45e anniversaire de la RAS, la société civile qui soutient aujourd'hui les Sahraouis dans leur combat pour la liberté? Oui, nous sommes à la veille de la commémoration du 45e anniversaire de la proclamation de la RAS, ce qui veut dire tout simplement que la République arabe sahraoui démocratique existe, que l'État sahraoui est là et bien là, dans toutes ses structures gouvernementales et institutionnelles. Et quand vous me parlez du mouvement international de solidarité, effectivement, le problème du Sahara occidental est un problème de dignité, de liberté, de souveraineté, d'indépendance. Et les hommes et les femmes épris de justice et de liberté à travers le monde sont organisés en comité de soutien qui accompagne les Sahraouis dans leur juste combat. Le comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui en fait partie. Et donc, dans cette structure internationale, nous menons un combat de soutien, d'appui, de mobilisation, de sensibilisation, d'information autour du dossier sahraoui, puisque tout le monde n'est pas au même niveau d'information en ce qui concerne ce conflit, surtout lorsqu'on sait que le Maroc mène une guerre de désinformation autour de ce conflit pour le présenter comme étant un conflit d'hégémonie recherché par l'Algérie dans la région, alors que c'est juste un mouvement de libération représenté par le Front Polisario pour que le peuple sahraoui puisse exprimer le choix de son destin librement à travers un référendum d'autodétermination auquel il a droit,
selon le droit international. Et donc le mouvement international de solidarité se mobilise encore plus en ce moment, puisque nous avons le 19, donc demain, il y a une visioconférence internationale autour des droits de l'homme, dans la plateforme se trouve en Espagne. Nous aurons le 24 février une visioconférence à l'échelle africaine. La plateforme se trouvera à Pretoria. Nous aurons le 25 février une visioconférence internationale à partir du Venezuela sur mobilisant principalement l'ère latino-américaine pour soutenir les Sahraouis. Et le 6 mars, nous aurons une visioconférence européenne pour justement exprimer le soutien des sociétés civiles européennes avec le peuple sahraoui. Je souligne en passant que le Comité national algérien participe à toutes ces conférences, l'Algérie étant cataloguée comme le pays qui soutient le plus fermement encore les Sahraouis du fait que nous abritons les réfugiés sahraouis sur notre sol depuis maintenant 45 ans. Mais qu'en est-il aujourd'hui de la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés, Monsieur Ayesh? Désastreuse, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. C'est depuis maintenant plusieurs années, le Maroc viole les droits de l'homme de façon caractérisée dans les territoires occupés, sous différentes formes d'ailleurs. Arrestations arbitraires, tortures, emprisonnement, procès iniques devant des juridictions militaires, viols, disparitions forcées, etc. Toutes ces violations des droits de l'homme ont été, et depuis plusieurs années, documentées et transmises à qui de droit par les différentes ONG internationales concernées par les droits de l'homme comme Amnesty International, Human Rights Watch, Frontline, la Fondation Kennedy, le Parlement européen, un rapporteur spécial des Nations Unies, le département d'État US dans son rapport annuel. Donc de ce côté-là, les violations des droits de l'homme par le Maroc au Sahara occidental sont quotidiennes et depuis plusieurs années. Ce qui est surprenant, ce qui interpelle, c'est le fait que le Maroc n'est jamais rappelé à l'ordre, le Maroc n'est jamais sanctionné pour ces violations dont il est l'auteur. Et puis, ce qui est surprenant, c'est aussi ces pays occidentaux principalement, donneurs de leçons en matière de droits de l'homme, qui font leur remontrance de violations de droits de l'homme à géométrie variable pour certains pays, mais pour le Maroc, ils ferment les yeux. Et je veux citer ici la France, qui se présente comme étant patrie de droits de l'homme, et qui n'interpelle pas le Maroc sur ces violations, malgré tous les efforts qui sont faits par le mouvement international de solidarité pour dénoncer ces violations qui, je le rappelle, sont quotidiennes. Mais toutes ces violations des droits de l'homme sont cautionnées encore davantage depuis la normalisation des relations entre Israël et l'entité sioniste et le Maroc. Oui, bien entendu. Quand on parle d'Israël, d'abord, il y a eu ce marché du dupe, cette transaction honteuse qui a été réalisée sous les auspices du président Trump et de son gendre. Une transaction criminelle qui s'est faite sur le dos des peuples sahraouis et peuples palestiniens. Bien entendu, le décret de Trump lui-même ne nous amène pas à grand-chose, puisque avec bonheur, nous avons vu qu'il a été dénoncé par l'establishment américain lui-même, avec des personnalités au-dessus de tout soupçon de partialité. Il n'a été suivi par aucun pays au monde, y compris par les soutiens du Maroc. Aucun pays n'a suivi le Trump dans son aventure périlleuse de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Nous avons d'ailleurs assisté depuis hier à une lettre qui a été adressée par des parlementaires, des congressmen américains au président Joe Biden pour lui demander de revenir sur le décret de Trump. Nous avons grand espoir au niveau du mouvement international de solidarité que même si formellement le décret n'est pas annulé, il n'est pas pris en considération par l'administration américaine qui, de toute façon, le décret de Trump, et j'allais presque dire maintenant, il est sans effet du fait de
que le président Trump n'est plus aux commandes des États-Unis d'Amérique. Mais surtout, il faut reconnaître, et je sais que vous l'avez souligné déjà, que le décret de Trump est une violation caractérisée contre le droit international. Le décret de Trump lui-même est une honte pour la diplomatie américaine, qui a d'ailleurs fourni beaucoup d'efforts. Je rappelle que les États-Unis d'Amérique sont le rapporteur, sont le porte-plume du groupe des pays qui rédigent les résolutions du Conseil de sécurité sur le dossier du Sahara occidental. Et donc, l'ambassadeur américain au Conseil de sécurité a toujours parlé d'autodétermination. On ne peut pas, à cause du décret de Trump, renier tout ce qu'a fait la diplomatie américaine jusqu'à maintenant. Je rappelle aussi au passage que le principe de l'autodétermination est un concept américain qui a été apporté par le président Wilson en 1919 au congrès de Versailles pour justement démanteler les empires coloniaux en revendiquant l'autodétermination pour les peuples colonisés. Donc vous voyez très bien que le décret de Trump, il est vraiment à l'antipode non seulement de la diplomatie américaine, mais même de la doctrine américaine en matière de l'autodétermination. Mais puisque vous mentionnez le président sortant américain, Donald Trump et son gendre, on a vu que la société civile, par sa mobilisation, a fortement, bien sûr, dénoncé le décret de Trump qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur le territoire sahraoui, dont son annulation est revendiquée aujourd'hui, vous l'avez signalé, par 27 sénateurs américains qui ont signé une lettre appelant Joe Biden à son annulation. Pensez-vous aujourd'hui que Joe Biden va agir, puisque dès sa prise de fonction, il a annulé plusieurs décrets signés par Trump qu'il a considéré comme mettant des violations caractérisées au principe des droits internationaux? On peut l'espérer. On peut l'espérer que le président Biden puisse annuler ce décret. Je le répète, il n'est pas, s'il ne le fait pas, il n'est pas important dans la mesure où il n'est pas pris en considération. Il ne sera pas pris par la diplomatie américaine comme étant un instrument de travail de la diplomatie américaine. Je crois savoir que le nouveau secrétaire d'État américain, Blinken, a lui-même fait allusion à cela. Donc, ce n'est pas tellement la forme de l'usage du décret lui-même qui en est truc, c'est le résultat du décret lui-même. Le résultat est nul. Il n'y a pas, j'allais dire, d'impact du décret sur la situation diplomatique sur le dossier du Sahara occidental. Et donc, le but recherché par le Maroc, qui était celui de se voir légitimement installé au Sahara occidental et reconnu par des pays à travers le monde, est un échec. Comme a été un échec l'effet d'annonce de l'ouverture des consulats. Vous savez très bien que la Zambie hier a fermé un consulat, son consulat, c'est le deuxième pays à le faire, et par conséquent nous assistons ici à l'échec de la stratégie marocaine de se voir reconnu comme pays souverain au Sahara occidental. Et cela est un très grand acquis pour les Sahraouis, en ce sens que maintenant, on ne peut plus parler, après le décret de Trump, on ne peut plus parler de légitimité de la présence du Maroc au Sahara occidental. Mais quand vous parlez aujourd'hui, bien sûr, de la fermeture des consulats, le deuxième, c'est bien sûr, il y a deux jours, la Zambie a fermé sa représentation. Est-ce qu'on peut considérer que le Maroc, depuis le départ de Trump, semble en perte de vitesse au niveau international par rapport à cette mobilisation des États et bien sûr de la société civile en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui? Monsieur Saïd Ayachi. Moi, je le crois. Je crois que maintenant, j'allais dire, le dossier sahraoui est dans une meilleure dynamique. En parlant du sahraoui même, ils sont dans une meilleure position que par le passé, par le fait que tous les paris qui ont été engagés par le Maroc sur le dossier se sont avérés vains et ont échoué. Donc, cette recherche de légitimité, n'a pas connu, d'aboutissement. Sa transaction de reconnaissance de l'État d'Israël a au contraire enfoncé le régime marocain, puisque nous savons maintenant qu'il y a, au niveau du peuple marocain, il y a des remous. Vous savez, le peuple marocain
a profondément une solidarité avec le peuple palestinien, elle existe au niveau populaire. On avait même espéré qu'elle existerait au niveau de certains partis qui se disent avoir dans leur programme d'action la défense des intérêts du peuple palestinien, mais qui ne se sont pas manifestés. Par contre, au niveau populaire, on sait qu'il y a des remous, et ça ne fait que commencer pour le Maroc du point de vue instabilité populaire à cause de cette normalisation qui est une véritable trahison, un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien. Et au final, le Maroc ne gagne rien du tout, c'est Israël qui gagne dans cette histoire. Le Maroc, je crois, a fait le pari de vouloir mimétiser Israël dans son occupation de la Cisjordanie. Et donc, aujourd'hui, le Maroc échoue dans cette analogie avec Israël, sauf qu'Israël maintenant s'installe au Maroc de façon officielle. Ah oui. Alors, M. Saïd Ayachi, je voudrais revenir sur certains aspects que vous avez abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez de la normalisation avec l'entité sioniste, qui est une véritable trahison à l'égard du peuple marocain, une trahison et un danger pour toute la région du Maghreb aujourd'hui, puisqu'Israël est à nos frontières. Oui. Oui, bon, on savait que le Maroc, c'est un secret de polichinelle, avait des relations suivies depuis belle lurette avec l'entité sioniste, des relations, j'allais dire, incestueuses ou honteuses. Maintenant, elles sont officielles, et donc le régime marocain, maintenant, doit assumer ses responsabilités vis-à-vis de son propre peuple, qui, je le répète encore une fois, a une affinité profonde avec le peuple palestinien, et pour cause, puisque c'est une cause supposée être en tout cas celle de tous les Arabes. Ça d'une part. D'autre part, il est clair maintenant que le régime marocain est piloté à partir de l'étranger qui lui dicte la conduite à faire. Seulement à la condition de ne pas perdre le Sahara occidental pour l'annexer dans sa politique expansionniste, etc. Et donc maintenant le Maroc, au prix de cette transaction qu'il a réalisée sous l'égide du président Trump, a installé maintenant Israël officiellement au Maroc. Bien entendu, c'est un danger à notre frontière quand on sait l'inimitié que nous vaut Israël, et de toute façon, cela appelle à la vigilance et menace la stabilité et la sécurité de la région. Israël n'a jamais, j'allais dire, apporté la paix et la sécurité dans la région du Moyen-Orient, elle ne fera pas en Afrique du Nord, d'autant plus que Israël vit de l'instabilité des autres États. C'est dans la stratégie israélienne elle-même. Et par conséquent, nous allons nous trouver confrontés donc à une situation non souhaitable à nos frontières, et nous devons faire ce qui est fait d'ailleurs, nous devons faire preuve de vigilance et j'allais dire de plus d'attention pour ce qui est de nos relations avec le Maroc dans le futur. Mais c'est un véritable danger, puisque le Maroc n'a cessé aujourd'hui d'accuser directement l'Algérie d'être impliquée directement dans le conflit sahraoui. L'Algérie qui a aussi parallèlement fortement réaffirmé ses positions inaliénables, aucune normalisation avec l'entité sioniste et soutien indéfectible au peuple palestinien. Alors, Deux parties dans votre question. La première, c'est que effectivement, l'Algérie ne marchande pas son soutien à la cause palestinienne. Et ses principes aussi, d'autodétermination des peuples. Et je crois qu'il est, si je ne me trompe pas, avec la Syrie, le dernier pays arabe à soutenir de façon claire et sans équivoque la cause palestinienne. Je crois que nous sommes aussi le dernier pays arabe à payer notre cotisation annuelle à la cause palestinienne inconditionnellement, sans poser aucune condition et sans nous immiscer dans les affaires intérieures palestiniennes. Donc de ce côté-là, les choses sont claires. De l'autre côté, vous avez donc maintenant le Maroc qui accuse l'Algérie, j'allais dire,
d'hégémonie, de rechercher une hégémonie dans la région et d'être à l'origine du conflit du Sahara occidental. C'est un discours que développe le Maroc depuis maintenant à peu près 25 ans. C'est avec ce discours d'ailleurs qu'il a pu, tromper certaines opinions publiques dans certains pays et peut-être même certains gouvernements dans certains pays en croyant que l'Algérie a effectivement créé ce conflit de toutes pièces pour pouvoir nuire au Maroc et pour pouvoir asseoir son hégémonie sur la région. Ce qui est totalement faux lorsqu'on sait que le Front Polisario est un front de libération, est un mouvement de libération reconnu à travers le monde et représenté dans 53 pays, donc ce n'est pas propre à l'Algérie. L'Algérie a reconnu le Front Polisario comme 142 autres pays, et que la République arabe sahraouie démocratique est reconnue par maintenant près de 70 pays à travers le monde, et qu'elle siège donc comme membre fondateur de l'Union africaine. Et donc c'est un discours plein d'amalgames, de confusion et de mensonges que développe le Maroc pour positionner notre pays comme étant celui qui a créé ce conflit du Sahara occidental, tout simplement parce que le Maroc n'a pas d'assises ni juridiques, ni politiques, ni historiques dans le dossier du Sahara occidental. Et donc, il n'a que cet argument fallacieux qui développe à tout craint et en tout lieu pour accuser notre pays de cette position, alors que notre pays a une position conforme au droit international et conforme à nos principes d'être forme de colonisation et plus de forme d'occupation. Alors, face à ces dépassements et exactions perpétrées par l'occupant marocain contre les Sahraouis, réaction timide des instances internationales, comme c'est le cas au niveau de l'ONU, est-ce qu'on peut considérer que c'est parce que le Maroc jouit fortement de soutien de l'entité sioniste de la France? Il est clair. Il est clair. C'est la raison pour laquelle ce dossier n'avance pas. Il est clair. Et au niveau du Conseil de sécurité, c'est le soutien de la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité. Et qui a le veto. Qui a un droit de veto, mais qui le soutient mordicus à bout de bras et en toute position. Vous savez, on parlait tout à l'heure des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental, les violations des droits de l'homme. En 2013, les États-Unis d'Amérique ont initié une proposition au Conseil de sécurité, aux membres du Conseil de sécurité, pour élargir le mandat de la MINURSO au respect et à la défense des droits de l'homme dans les territoires occupés, pour mettre fin à cette situation de violation. Le seul pays qui s'est opposé à cette initiative, c'est la France. La France qui se dit patrie des droits de l'homme. Et donc, la position de la France comme soutien au Maroc, maintenant, elle n'est plus à démontrer, elle est là. Certains analystes politiques, dont les Sahraouis d'ailleurs, disent que s'il n'y avait pas le soutien de la France au Maroc, le conflit aurait été réglé depuis longtemps. Les Sahraouis disent clairement que la France est devenue un problème dans le problème du Sahara occidental. Et par conséquent, il est tout à fait incompréhensible de ce soutien de la France au Maroc, si ce n'est un esprit de colonisation. Donc la France a toujours cet esprit de coloniser qui lui est propre. Et de l'autre côté, bien sûr, ce sont des accointances d'intérêts communs qu'il a. Le Maroc est la tête de pont de la France au niveau de l'Afrique, et surtout pour gérer l'Afrique de l'Ouest. C'est le Maroc maintenant qui a remplacé les fameux réseaux France-Afrique. C'est la France gère le Maroc, qui lui gère pour le compte de la France les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi ce soutien indéfectible? Parce qu'il y a une convergence d'intérêts. Il y a une convergence. Certains même disent que le Maroc est toujours un protectorat. Et bien sûr, dans cette optique aussi, il y a cette volonté de nuire à l'Algérie, bien entendu. Une partie de la France officielle n'a jamais digéré le fait que la France a été blackboulée de l'Algérie, a été chassée de l'Algérie. Donc, cette partie de la France officielle n'a jamais digéré l'indépendance de l'Algérie, et donc c'est une façon aussi de créer des difficultés à l'Algérie en entretenant un feu, en entretenant un conflit à ses frontières et en le rendant quasi insoluble par le soutien qu'apporte la France au Maroc dans son entreprise de colonisation du Sahara occidental.
Et l'Algérie a perdu un lourd tribut pour son indépendance, 1,5 million de Shuhada. Et c'est la journée aujourd'hui commémorative de Yom Shahid. Alors gloire à tous nos martyrs. Alors quand vous parlez un peu de la MINURSO, les Sahraouis considèrent aujourd'hui que la MINURSO a échoué dans sa mission pour bien sûr le recensement et bien sûr l'organisation du référendum d'autodétermination. Il faudrait revoir aujourd'hui par exemple les mécanismes de fonctionnement de cette MINURSO. Je crois que bon, les pays responsables dans l'Algérie, en Afrique et ailleurs, disent que l'ONU est toujours, j'allais dire, saisie du dossier du conflit du Sahara occidental, parce que l'ONU est en charge de la paix et la sécurité dans le monde, donc elle est en charge de ce dossier. Et donc elle se doit d'abord par commencer par désigner le secrétaire général, doit désigner son envoyé personnel. Dans le conflit du Sahara occidental. Pourquoi? Parce que, quel que soit, malgré la reprise des armes à laquelle nous avons assisté, et le conflit maintenant rentre dans une nouvelle étape de lutte armée des Sahraouis contre l'occupant marocain, il faut bien que ça finisse autour d'une table. Et pour aller à une table, il faut un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Or, depuis 20 mois, il n'y a pas d'envoyé personnel. Donc, il n'y a pas de dynamique de négociation qui est créée. Et l'ONU reste saisie de ce dossier. Donc, aussi bien l'Union africaine, dont l'Algérie, l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres pays, que d'autres pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suède et beaucoup d'autres pays, disent que le secrétaire général des Nations Unies se doit de façon diligente à nommer un envoyé personnel, son envoyé personnel dans le conflit du Sahara occidental. Malheureusement, on sait que M. Guterres, maintenant, est à la recherche de pouvoir accéder à un deuxième mandat comme secrétaire général des Nations Unies. Par conséquent, il a besoin de la voix de la France, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, il tergiverse. La France ne veut pas. Cette situation actuelle avantage le Maroc, puisque c'est le statu quo. Il n'y a pas d'envoyé personnel, donc pas de négociation. Le Maroc n'a jamais voulu des négociations. Parce que les négociations en elles-mêmes, si elles devaient se tenir, elles doivent se tenir. Guterres a d'autres intérêts. Doivent discuter d'un point important, c'est la tenue du référendum de détermination. Or, le Maroc ne veut pas entendre parler du référendum de détermination. Donc, il ne veut pas de négociations, en fait. Il a toujours essayé d'éviter des négociations. C'est pourquoi l'Afrique doit agir de façon franche et claire pour régler ce conflit aujourd'hui. Parce qu'il y a une certaine inaction des Nations Unies. Une action qui est générée, qui est entretenue par la France et d'autres soutiens, qui avantage le Maroc. Et devant cette inaction des Nations Unies, qui a entraîné l'inertie de la MINURSO elle-même, parce que la MINURSO n'est qu'un instrument du plan de règlement qui est initié par les Nations Unies, devant cette inaction des Nations Unies, c'est l'Afrique qui doit agir maintenant. C'est le discours que développe l'Algérie maintenant avec l'Afrique du Sud en disant c'est un problème africain qui doit être d'abord réglé par les Africains eux-mêmes en respectant l'acte constitutif de l'Union africaine signé par, entre autres, je le répète, par le Maroc et en conformité avec la charte de l'Union africaine et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, tous ces instruments qui existent au niveau de l'Afrique sont suffisants pour aborder de façon efficace le dossier du Sahara occidental et de lui trouver une solution dans le cadre africain. Je m'en veux pour preuve, Madame Hachmi, que le dernier conseil de défense qui a eu lieu avant le sommet de l'Union africaine dernièrement a reconnu à la RAST le droit de résister, le droit de se libérer et de demander l'assistance des autres membres de l'Union africaine à pouvoir se libérer de l'occupation. Mais l'Union africaine doit se saisir de tous les dossiers, même ceux qui concernent à peu près la spoliation des biens des Sahraouis illicitement par l'Union européenne, puisqu'il y a aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'Union européenne, le recours qui a été introduit par les Sahraouis concernant, bien sûr, les accords UE-Maroc. L'Union africaine doit se saisir de tous les dossiers. Je pense, mais je suis de ceux qui pensent que si le référendum d'autodétermination a été organisé et que les Sahraouis se prononcent librement sur leur destin, le problème des ressources naturelles, le problème des droits de l'homme, tout ça sera réglé de facto
par le fait que les Sahraouis auraient mis fin à l'occupation et auraient choisi librement leur destin. Le problème des ressources naturelles et je le répète, au niveau de l'Union européenne, devant la Cour de justice du Luxembourg, la Cour de justice de l'Union européenne, le Front Polisario a fait un recours contre les nouveaux accords signés entre l'Union européenne et le Maroc, et par conséquent, nous attendons dans les jours prochains le verdict de ces recours qui, normalement, devrait ramener les accords dans le cadre des jugements de décembre 2016 et de février 2018 qui reconnaissent au peuple sahraoui la jouissance des richesses de leur territoire. Alors, au niveau du franc, qu'en est-il de la situation aujourd'hui, monsieur Saïd Ayachi? Par rapport à la situation militaire aujourd'hui? Oui, les nouvelles du franc sont bonnes, puisque donc après la reprise des armes par le Front Polisario, par l'armée de libération du peuple sahraoui, il y a eu donc des opérations de harcèlement contre les garnisons marocaines. C'est le début des engagements armés. Il y a eu même dernièrement une action de commando à l'intérieur même du territoire marocain. Le Maroc, de façon tout à fait surréaliste, nie qu'il y a une guerre au Maroc, parce que une guerre au Sahara occidental. S'il reconnaît qu'il y a une guerre au Sahara occidental, ça veut dire qu'il n'est plus chez lui. Et donc il fait tout pour en fait calfeutrer cette situation de guerre qui existe au Sahara occidental. Mais il ne pourra pas tenir longtemps dans cette position, et par conséquent, les Sahraouis vont monter en cadence après les harcèlements. Il va y avoir des engagements militaires, il va y avoir l'intifada, il va y avoir des actes de sabotage, il va y avoir beaucoup de choses. Et le Maroc va revenir à une situation qui lui est très défavorable lorsque le Front Polisario et l'armée de libération du peuple sahraoui ont engagé une lutte militaire contre les forces armées du Maroc. Alors, au-delà bien sûr de cette guerre qui est réelle sur le terrain, sur le front, est-ce qu'on peut considérer que le conflit aussi fait l'objet d'une guerre de désinformation de grande ampleur de la part du Maroc? Bien sûr, bien sûr. On parle de guerre de désinformation. Tout à fait, tout à fait. Parce cette que guerre, tout se déroule au niveau des médias. Cette guerre de désinformation, nous en avons d'abord, nous, en Algérie, fait les frais, parce que le Maroc a engagé cela depuis très longtemps, et c'est précisément grâce aux médias, non pas seulement marocains parce qu'ils sont très limités, mais grâce aux réseaux médiatiques sionistes dont bénéficie le Maroc, qui font le relais du discours marocain. C'est à travers ces relais-là que le Maroc a développé ce discours accusateur contre l'Algérie, qui a créé le Polisario, qui a créé de toutes pièces le conflit du Sahara occidental, qui cherche une place hégémonique dans la région de l'Afrique du Nord. C'est cette guerre que mène le Maroc en disant, en fait, c'est l'Algérie qui a créé ce conflit, qui l'entretient et qui cherche à nuire au Maroc. C'est cette même guerre médiatique, d'ailleurs, qui véhicule les discours accusant le Front Polisario de violation des droits de l'homme dans les cantines d'ouvre, de torture, d'assassinat et encore plus. Et cette guerre médiatique jusqu'à maintenant, évidemment, développée encore une fois, je le rappelle, grâce au soutien qu'apportent les réseaux sionistes à la propagande marocaine, s'est développée de façon très virulente, très agressive contre notre pays depuis très longtemps. Nous n'avons pas toujours réagi, j'allais dire, de façon vigoureuse contre ces attaques médiatiques. Je crois que maintenant, les choses ont changé. Maintenant, il faudra, j'allais dire, appliquer la réciproque, réagir, riposter vigoureusement et démonter, déconstruire le discours marocain pour responsabiliser le régime marocain dans son entreprise de colonisation du Sahara occidental, et surtout démentir ce discours qui est développé contre l'Algérie, contre son président, son gouvernement, son parlement, son peuple, son armée. Alors, autre question, c'est celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, bien sûr, cette normalisation avec l'entité sioniste n'a pas trahi seulement les Marocains, elle a trahi le monde arabe et également tous les musulmans, puisque Mohamed VI est le président du comité d'Al-Quds. Bon,
La remarque dans son ensemble est juste, mais en fait, que reste-t-il du monde arabe? Que reste-t-il du monde arabe quand on sait que l'un des pays qui a encouragé le Maroc à normaliser avec Israël, ce sont les Émirats Arabes Unis, qui a ouvert un consulat général, et qui d'ailleurs, c'est l'argent des Émirats qui a permis, j'allais dire presque, de soudoyer ces pays qui ont ouvert des consulats. Et donc, du monde arabe, à ce cher auditeur, je réponds qu'il n'en reste pas grand-chose. La Ligue arabe n'a jamais rien dit sur le dossier du Sahara occidental. Et j'allais presque dire, ils étaient peut-être à la limite de condamner le soutien d'Algérie au Sahraoui. Le monde arabe est fermé à la cause sahraoui, parce que déjà, il est en train de se fermer à la cause palestinienne. Je ne crois pas qu'il reste grand-chose du monde arabe pour ce qui est des principes ou pour ce qui est de la solidarité arabe. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, l'Algérie est parmi les premiers pays fidèles à la charte de paix et contre la colonisation. C'est une fierté pour les Algériens, mais aujourd'hui, comment le soutien pourrait être un peu plus, visible? Est-ce que c'est la société civile que vous représentez, entre autres, Monsieur Saïd Ayachi? Je rappellerai à cet auditeur d'abord que nous sommes fiers d'avoir inscrit dans notre histoire que nous avons accompagné 15 mouvements de libération africains et non africains. Tous les pays africains qui ont eu un mouvement de libération ont trouvé soutien et accompagnement et réconfort à Alger dans les années 60, 70 et même 80. Et par conséquent, aujourd'hui, l'Algérie, pour ce qui est du Front Polisario, je le dis avec beaucoup de fierté en tant qu'Algérien, nous avons ouvert nos universités, nos écoles, nos hôpitaux sahraouis, nous les accompagnons sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan de la société civile. Et le comité algérien que j'ai l'honneur de présider, en fait, représente toute l'Algérie. Il faut veiller sur l'unité du pays puisqu'il y a cette déstabilisation totale et entière à nos frontières, l'ouest, le sud-est. Et l'extrême sud du pays. Restez toujours vigilants. Ce n'est pas un hasard, cette ceinture de feu qui entoure l'Algérie, bien sûr, et relève d'une stratégie de nuire à notre pays. Mais personne ne croit quand on dit on veut déstabiliser l'Algérie, si, on veut faire bouger l'Algérie. Beaucoup n'y croient pas, monsieur Zaïdaïech. On dit on est en train de nous miroiter un peu le danger, le terrorisme à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais écoutez, regardez ce que développe la diplomatie algérienne depuis un certain temps. En Libye, on a dit depuis maintenant 5 ans qu'il faut que les Libyens se réunissent entre eux. On était les premiers à le dire. Et maintenant, ils sont revenus Syrie, à ça, mais en excluant l'Algérie. On a fait les accords de Bamako en 2015, et la France est venue intervenir par Serval et après Berkane. Et puis, maintenant, on revient aux accords d'Alger. Il y avait le CEMOC et on a remplacé le CEMOC par le G5, mais on revient au CEMOC. L'Algérie a toujours eu les bonnes solutions, sauf qu'on a essayé d'abord d'exclure pour après revenir à ces solutions. Vous voyez que donc il y a un complot contre l'Algérie pour essayer de la déstabiliser à partir de ses frontières ou de ces pays frontaliers. Et que Dieu préserve aujourd'hui l'Algérie, qui fête bien sûr la journée du Shahid. Monsieur Saïd Ayachi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, c'est à bientôt. À au revoir, bon week-end aussi. Au revoir.